Mais salut, c'est Karma. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Casse-toi, retourne dans ton buisson, tout de suite. Retourne dans le buisson. Ceci est un buisson à araignées. Autant dire que j'aimerais pas en avoir un à côté de mon plumard ou dans mon poulailler. Alors, on est exactement, c'était la dernière fois, laissé la dernière fois. Dans la salle d'à côté, 2 milliards de bandits au bas mot. Mais qui visent, mais comme des dieux en plus. Regarde-moi ça, j'ai même pas fait. Y'a même pas mon chapeau qui dépasse que ces enfoirés sont déjà en train de me tirer dessus. Bon, vous savez quoi? On va faire la même chose. Tiens! Pouf, la mardilo! Oh! Toi aussi. Oh merde, j'ai loupé l'armadillo! Ah non, 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 faut pas que je commence à péter mes munitions d'armadillo parce que ça, c'est pas bien. Je considère que c'est une munition qui est assez précieuse. Je peux monter à la première per. Oh! Tiens, bouffe ça! Et boum, dans l'eau, ça c'est bien. Ouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouh, c'est chaud. Bah, ça va passer. Allez, ils vont crever. Toi, tu dégages. Allez, ça va passer. C'est bon. Tout le monde est mort? Allez, je prends pas de risque, je vais les tuer. Ok, celui-là, je vais l'assommer. Ouais, tiens. Ah non! Bah, je voulais être clément, mon gars, mais si t'étais un peu moins con, peut-être que tu serais. En vie. En vie ou dans ma poche, ou peu importe où je t'aurais mis, mais j'aurais trouvé de la place. Voilà. Tonneau. Ouh. Un tonneau charitable. Ça, j'en ai à fond, hein. Ouais, par contre. Ah, j'ai récupéré un petit armadillolo. On va prendre les monstrueuses là. Bon, ça sert un peu à rien de faire de la plateforme à la première personne, même si on peut le faire un petit peu. Ok. Donc on allait tuer Joe Mama là. Le problème c'est qu'on sait pas encore exactement où est-ce qu'il se cache. Ok. J'ai eu peur pendant une seconde, mais non, tout va bien. Tout va bien, on se calme. Waouh, trois tuyaux. Alors à gauche, c'est pas bien. Au milieu, c'est un déci. Et à droite, c'est vers les solutions. Mais. Il a l'air d'avoir des barreaux un petit peu quand même. Mais tu vas pas m'emmerder, voilà. Non. Ouais, par définition, en principe, je prends toujours à droite. Dans les jeux. Je sais pas si ça mène à quelque chose ou alors si c'est une règle à la con. Prendre un peu, je vais carrément me prendre le sac, je vais me remplir les poches. Abeille, 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 abeille. Alors, tire sur tes ennemis pour les ralentir et les blesser. Les abeilles poursuivent l'ennemi. Ça, c'est bien, ça. Hop, j'en ai. Oh, c'est ça qui se mitraille. Ah ouais, mais j'en ai masse, là. Regardez ça. 375. Et ça, c'est les petits... Je vais regarder le nom de ces trucs. Fuzzle. Voilà. Les petits fuzzle. Ça, c'est un armadillo. Ah oui, des armadillos. Oui! Viens là, toi, gros bourdon là. J'adore ces trucs, franchement, j'en veux un à la maison. C'est tout rond, ça roule. Ça a des pattes et des petits yeux. Ok. Tin, 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 tin. Bon, on va tester ça, parce que de toute façon, on a la réserve juste à côté. Ah! Ça, c'est bon! Ok, j'ai une réserve de 30 à chaque fois. Oh, c'est craqué. Bouffe les abeilles. Ça, c'est bien. Bon, je pense qu'on va réduire le taux de capture par rapport au taux de mort assez vite. Parce que je pense que je vais pas pouvoir m'empêcher de les massacrer. Tiens, 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 tiens. Mais c'est mortel, ce truc. Tu vois que je te vois pas, toi, là-haut? Ah, oh, putain. Merde. Ah, il m'a tué par derrière, je pile au moment où je me dis tiens je vais crever, il y a ce connard là qui arrive et qui me met un coup de pied au cul. Coup de pied au cul fatal. Ah ça c'est la mort débile du jour. Hein. Ah mais ces abeilles comme ça gère. Bon on prend le chemin de gauche, on va pas chipoter. Oui les abeilles, c'est bien.
On va les prendre, t'inquiète pas. Tac, 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 tac. Oui. On va prendre le maximum. Donnez-moi des abeilles. Plus d'abeilles. Allez, des abeilles, des abeilles. Et je sens que ça va être mon arme favorite à partir de là maintenant. Alors, on les prend. Allez, crevez ! Communiste ! Ah, je vais quand même en capturer un de temps en temps. De toute façon, un coup de poing dans la gueule, c'est le meilleur des médicaments. Va se coucher. L'autre là-bas qui me tire dessus, il me fait pas peur. De toute façon, il... Le mec, il se mouche en même temps qu'il tire, il arrive pas à me viser. Ok, je te capture toi, j'ai le temps, vous inquiétez pas. Hop là. Énergie max, de toute façon, y a pas de soucis. Hey, je t'ai pas vu toi. Va chier. Allez, se laisse pas faire quand même. Hein. Tiens, 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 tiens. Ok, ils sont morts. Ouh. Ah, ça devient chaud. Hein. Toi là-bas. Je... C'est ça, t'as bien fait. Saute. Ah, mais il est même... Ah, je peux les capturer morts. Ah bah ça, je savais pas, tiens. Bon, non pas que ça vaille grand-chose, mais bon... 5 pépettes, quoi. C'est une bière. Ou des... Des abeilles. Donnez-moi des abeilles. Je veux des abeilles. Je veux des abeilles par milliers, mais tellement par milliers que je pourrais les bouffer matin, midi et soir. Et même que je fais une pause 4 heures pour en rebouffer. Là, je me promène avec mes copains les champignons, mais en fait, je sais pas où ça me mène. Ah, c'est gonflant ça. Je sais pas si c'est le bon chemin ou alors s'il fallait que j'aille en haut. Ah merde, je voulais pas déclencher de cinématique. J'ai fait un pas de plus et boum. Tant pis. On essaiera de retourner en arrière juste pour voir ce qu'il y a en haut. J'aime pas louper des trucs. Joe Mama, c'est toi ? On t'entend bien, garçon. Ok. Bah, y a du boulot, les mecs, hein. Ok, je reviens en arrière juste pour voir ce qu'il y avait en haut. Allez, mes copains, les champignons! Champipi, 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 pignon! Ils sont adorables, ces champignons. Ok. Ok, il y a des fuzzles par milliers. Ce qui n'a aucune importance. Je vais garder mes chauves-souris pour le boss parce que putain, ça marche bien ça, les chauves-souris. Explosif, s'il vous plaît. Oh, mais regardez-moi la masse qu'il y a d'ennemis. Ils sont 20 000 au mètre carré. À peu près. C'était quoi ça? C'est quoi ça? Ok. J'ai pas compris ce que c'était, mais... On va faire quelque chose de super intelligent. Parce que oui, moi je fais des trucs comme ça. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Ça veut pas péter le tonneau? Ça c'est dommage. C'est même regrettable. Parce qu'il m'a l'air un peu gros celui-là là-bas. Ok. Ok, s'il passe par là, mort. Ah, je t'avais prévenu mon gros. Hein. De toute façon, t'as l'air d'attaquer au cac. Ou pas bon, pas bon. Ok, toi je te capture, mec. Tu dois valoir des pépettes, mais mon pauvre... Oh, quoi? 25? Oh, je suis déçu. Eh, hey, ça l'a pété le tonneau cette fois-ci. Je le capture quand même, j'en ai rien à foutre. Je vais m'éloigner de ce truc parce que ça va encore me tuer, je sens. Ok, bah ça se passe pas trop mal. Toi, tu la fermes. Même tarif pour toi. Merde. Ok, c'est pas super bien joué de ma part. Ah merde. On va essayer de faire ça un petit peu mieux ce coup-ci. Hein. Parce que c'était pas super propre la première fois. Je suis au max avec les abeilles.
Ouais, je suis plein. Ok. Donc, la première technique était la bonne, mais je... Non, pas ça. Je comprends pas pourquoi le tonneau a pas explosé. Parce que les tonneaux sont des fourbes, on le savait. Mais allez, pète le tonneau, putain, je m'en fous de ça. Merci. Ça aura mis le temps quand même. Ok, faut pas que je m'approche de ce machin là qui fait du bruit pourri. Ah, du moins, va falloir éviter. Allez, venez là, les gros. Viens, viens. Et boum! Qu'est-ce que tu dis de ça? Haha. 8. 8 seulement? Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, ils piquent, hein, les mecs, hein. Ok, petit soin. On change d'endroit. On va arrêter de se mettre à côté de ce machin, là. Parce que, vraiment, là, on cherche la merde. Ok. Ça se passe bien, ça se passe bien. Et pour le moment, tout va bien. Il y a encore pas mal d'unités sur la minimap, mais... Oula. Doucement, doucement, doucement. On se calme. On s'énerve pas, les mecs, hein. Il y en aura pour tout le monde. Ah, il fallait que je finisse ma recharge. Ta 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 ta. Vous pouvez rien faire, c'est fini, j'ai des abeilles, les mecs. Oh putain. Par contre, eux, ils ont des foutus fusils de la mort, mais... Truc violent, quoi. Ok, les mecs en haut, je les vois. Ah, ils vont bouffer de l'armadillo, ceux-là, tiens. Prenez mes machins tout mignons. C'est ça le piège, en fait, ils sont tout mignons, puis... J'en ai plus. Merde. Je vais pas utiliser mes chauves-sourcettes là pour le moment. Je serai amené à m'en vouloir. Parce que je vois déjà bien le boss qui va me prendre la tête. Ah bah voilà. Là c'est propre. Je vais juste attendre qu'il se relève le mec là-haut parce que ça m'étonnerait qu'il soit mort déjà. Il va pas me faire croire ça. Voilà. Ok, avec ça il est mort. Ah, mais il y a l'autre. Bon, l'autre, je l'ai bouffé, là, littéralement. Petite sauvegarde rapide. Faut pas que j'oublie que j'ai ça, parce que c'est super pratique. Ok. Avant de passer à la suite, je vais faire un petit... Je vais récupérer quelques munitions. Quelques bébés, là. Donnez-moi des bébés. Voilà, c'est fait. Impeccable. Y'a un ennemi là-haut, hein, ouais. Je crois pas qu'ils reviennent à l'infini parce que ça baisse. Leur nombre baisse significativement sur le radar. Donc à partir de là, je me fais pas de soucis. Ok, on avance. Petite sauvegarde rapide. Je t'ai vu, toi là-haut. Ok, il est mort. Enfin, je crois. Hey, d'où tu sors, toi? Dégage! C'est pas bon. Crève, 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 crève. Ok, je me casse, je me casse, je me casse. Oh putain, c'est chaud. Mais mec, putain, ils m'ont machine gunné là. C'était violent. Tiens. Mérite que ça. Ah mais lui, mais les dégâts qu'il fait, quoi. J'ai cru que c'était le boss pendant une seconde. Hein. Bon, on va tenter un truc, les mecs. Hein. On va tenter un truc. Allez, mène-moi. Allez, remonte-moi. Ok. On va être en hauteur, ça va être plus facile. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Des chauves-souris, ça c'est excellent. Des armadillos, parce qu'ils sont trop mignons. Ok, ça c'est le boss. Ça devrait pas être trop trop compliqué. Non, franchement ça va.
Viens là. Viens là. T'as bientôt plus d'énergie, je le vois. Je vois tout. Ok, vite, vite, vite. Merde, comment je fais pour monter? À l'envers, avec des couteaux dans le bide, rien à foutre. Ah! Ah, ça c'est fourbe. Putain! Mais cet ascenseur de merde là qui est tout le temps au mauvais endroit. Eh, fiche. Ah, ouais, c'est showtime, hein. T'as aucune chance, mec. Maintenant que je sais comment ça marche, j'ai aucune chance. Bon, les mecs, ils pop à l'infini, ce qui est déjà méga relou, 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 relou. Ok, mène-moi en hauteur. Donne-moi les armadis, Lolo. Donne-moi tout ça. Et maintenant... non, tu vas me faire le plaisir de crever en silence. Il est où le boss? Qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? T'es pas censé être là. Ok. Bon, je vais tenter un truc, encore une fois. Ouais. Ah merde. Le problème c'est qu'il va réapparaître. Ouais. Putain, mais j'ai pas le temps de faire ça. Ok, ce coup-ci ça peut passer. Ça doit passer. Ça passe. Yes! Viens là toi. Fumier! 800 pépettes! Oh! Eh ben, on l'aura pas eu sans mal celui-là. Ah, avec les mecs qui pop à l'infini. Ok, munition max. Touche pas à ma maman. ça, c'est quoi? Je peux ramasser des trucs? Non, pas spécialement. J'imagine que vous apparaissez plus à l'infini, bande de connes, hein. Bouffez ça. Faites-moi les malins maintenant qu'il n'y a plus le Joe Mama là. Hein. Votre copine Mama là. Boum. Ah, tous morts, c'est beau ça. Et voilà. Ouais, c'est pas grave, si je les ai pas capturés, ils méritaient que ça de toute façon. Yeah! À moi les pépettes! Donnez-moi les pépettes! Bon, je capture les cadavres, hein. C'est toujours ça de prix, y'a pas tout. Eux, ils valent 10, hein. C'est ceux-là, les barjots avec les lunettes et les machine guns, ils font des dégâts, mais c'est. C'est juste indécent. Petite sauvegarde rapide, parce que j'ai pas envie de. Que ça foire. Et je retrouve mes copains, les champignons. Et bah voilà, un boss de fait, 800 il valait. La difficulté elle augmente, hein, y a pas à chier. Et puis là, comment il s'appelle, Eugène le génie là, avec ses... le mec qui vaut 0 mort et 1000 vivants, il doit vraiment être tendu à choper. Yes! Et bah voilà. Alors, Bounty Store, c'est là. On est à combien de minutes? On est à 22 minutes, mais je vais faire quelques coupures. Il y en aura quelques-unes. Yes! Évidemment que t'as entendu, mec. 941 pépettes, ça c'est bien ça. En fait, il disait quoi? C'est une sacrée maman, ses fils se planquent dans la vieille pave. Ah, c'était une dame, cette chose. D'accord. Alors, on dit que Gene est prisonnier de la bande de bandits ligueurs dans le vieux temple indigène. Ah, c'est pas un boss, c'est un. C'est un otage. Alors, voyons ce qu'il vaut. Cool. Alors, il n'y a pas moyen que je le ramène mort.
Dandy Digger Gang took them into the old temple ruins. J'ai une prime supplémentaire si je ramène Dandy Digger là. Peu importe son nom. Bon, alors c'était Karma. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, à vous exprimer dans les commentaires, c'est ça qui est important. Et faire plein de choses superbes. Je vous dis à très bientôt.